On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemac.com le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, on va parler de musique, du marché du CD, du téléchargement, du streaming. Tous les détails, c'est dans le sommaire. Le CD va-t-il disparaître? Le disque peut-il encore résister longtemps aux offres de téléchargement telles qu'iTunes? Offre-t-il toujours une meilleure qualité face aux morceaux téléchargés? Les services de streaming tels que Spotify ou Deezer qui proposent la lecture de morceaux en illimité vont-ils lui donner le coup de grâce? Cette nouvelle manière de consommer de la musique va-t-elle supplanter iTunes? Débat en compagnie de Yves Riesel, le fondateur de Cobuzz. Ce service français est le premier à proposer à la fois le téléchargement ou la lecture de musique en streaming, le tout en qualité CD. On refait le Mac, épisode 98, le CD est-il mort ? Chaque samedi, retrouvez On refait le Mac en vidéo sur le site www.onrefaitlemac.com, mais également sur le portail hightech Clubic et sur electronlibre.info. Le podcast est également disponible en téléchargement sur iTunes ou en streaming HD via nos chaînes YouTube, Dailymotion, Watt et Vimeo, mais aussi sur mobile et tablette via nos applications iPhone, iPad et Android. Sans oublier chaque mois sur le CD-ROM du magazine iCrit. Avec comme invité cette semaine à On refait le Mac et chroniqueur Rodrigo Sepúlveda Schulz, investisseur, podcasteur, entrepreneur. Bonjour Rodrigo. Salut Olivier. Ça va bien Rodrigo? Tu sais quoi? Non. J'ai encore créé une boîte. C'est pas vrai. Mais ouais. Tu en crées une par semaine en ce moment? Mais ouais, une par mois en fait. Mais d'accord. Bien. Et on ne sait pas ce que c'est secret toujours. Oh, écoute, dans Private Equity, il y a le mot equity. Très bien. Autre chroniqueur que vous connaissez bien chaque semaine dans On refait le Mac depuis presque 100 numéros maintenant, c'est Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier. Eh bien écoute, je vois qu'on est 5 garçons ce soir de nouveau. Ben oui. Donc je ne sais pas, je dois en déduire que n'allons pas trop vite, le sondage pour faire revenir Stéphanie Pellaprat sur Twitter n'a pas atteint les 1000 retweets, ou alors que tu as trouvé peut-être pour ce sujet des spécialistes encore plus intéressants. On verra ça à la fin de l'enregistrement. Bien, autre chroniqueur que vous avez eu l'occasion de découvrir, notamment lors de l'émission qu'on avait enregistrée avec Jean-Michel Jarre, c'est Julien Audara, notre consultant musical, notre grand spécialiste de l'Internet depuis au moins 30 ans. Bonsoir Julien, comment ça va? Moi. Salut Olivier, ça va bien. Bien, il va bien nous aider pour remplacer ce soir Cédric qui est encore par Mons et par Vaux et invité pour la première fois en refait le Mac ce soir Yves Riesel, je l'ai bien dit j'espère. Bonjour, merci de m'avoir invité. Oui, de la plateforme Cobuzz. Bonjour Yves. Salut. Alors, comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas de Stéphanie Pellaprat cette semaine. On avait demandé qu'il y ait 1000 retweets à la demande de Rodrigo et de Stéphane Zibi. Il y en a eu 999, donc on n'en est pas là ce soir. À peu près. Hein. 999, à peu près. À peu près. Bon, non, on va essayer de la faire revenir. Mais pour l'instant, elle a beaucoup de travail. C'est ça d'être une chef d'entreprise. Elle est à Monaco en ce moment. On essaiera de profiter d'elle dans les prochains numéros. Donc, si on vous a convié, Yves, ce soir, c'est donc pour parler du marché de la musique et de l'avenir du CD. Pourquoi? Parce que vous êtes un spécialiste du secteur. Pour vous présenter, hein, vous êtes le fondateur de Cobuzz. On le sait, Cobuzz, c'est un des 3 grands sites de téléchargement et de portage en France, avec iTunes, avec Spotify, avec Deezer et Cobuzz, ça fait 4. Vous êtes fait connaître il y a quelques années déjà sous le nom du label Abeille Musique. C'est vous qui avez commercialisé les fameuses compilations intégrales de Mozart. Il y a près de 170 CD. Et ça, à l'époque, ça avait fait un énorme carton. Hein. C'est bien ça. Ouais, je suis toujours tout de travers, moi. C'est toujours tout de travers. Comment ça? Mais moi, je l'ai acheté, cette compile Mozart, qui était une boîte rouge comme ça, là. Absolument. Alors, comme je suis tellement fier, j'ai mis mon disque d'or derrière. Là, je le vois. Parce que je suis pas prêt d'en avoir un autre de disque d'or comme ça. 300 000 exemplaires, c'est ça, vendu pour Mozart. Oui, pratiquement, ouais. Et puis, vous êtes l'un des premiers dans le secteur de la musique, vous êtes lancé dans le téléchargement musical. C'était le cas dès 2004. Ce n'est pas encore Cobuzz qui est arrivé qu'en 2008. Vous m'arrêtez, hein, si je dis des bêtises, Yves. Et la particularité de Cobuzz, c'est pour ça qu'on voulait vous avoir ce soir, en plus d'être une plateforme indépendante et française, Cocorico, c'est que vous êtes différencié des autres fournisseurs d'accès, notamment des fournisseurs de musique, notamment iTunes, en axant votre modèle sur la qualité de téléchargement, la qualité musicale, notamment tout de suite par une qualité CD, hein, c'est ça Yves, 320 kilobits par seconde. Non, ça, la qualité 2008. CD, c'est pas 320. 320, c'est la meilleure qualité du MP3 possible. Du MP3. En fait, quand en 2004, chez Abeille Musique, on a commencé à travailler sur la distribution numérique, puisque j'ai pensé, sans vouloir déflorer le débat de ce soir, j'ai pensé dès 2004 que si je devais continuer à vendre des CD, ben, je risquerais fort de devoir un jour fermer boutique. On s'est donc demandé comment on allait pouvoir livrer la musique en numérique, et on a commencé à travailler là-dessus. Et il y a une chose qui m'a paru tout à fait évidente, pour moi évidente dès le début, c'est qu'il est hors de question que, sous prétexte qu'on arrivait dans le monde enchanté de la musique numérique, on livre des produits de moins bonne qualité que ce qu'on avait au moins vécu pendant 30 ans. Pendant 30 ans, on a vécu avec le CD, qui est, vous savez, une compression à 16 bits 44,1 kHz, qui n'est d'ailleurs pas la panacée pour les ultra-puristes, mais enfin bon, qui était quand même une qualité satisfaisante. Et moi, tout simplement, j'ai simplement voulu faire de la musique numérique pas pire que le CD. Voilà, c'est pour ça qu'on a commencé à stocker tout de suite en lourd, etc. C'est-à-dire, pour la première fois avec l'arrivée du MP3, on assistait à un retour en arrière en termes de qualité par rapport à ce qu'on avait vécu au CD. Hein. C'est fou, parce que ça fait 10 ans finalement que les plateformes légales nous vendent de la qualité qui est un grand bond en arrière. Et j'avoue que si au début, ça pouvait se prendre un petit peu pour des raisons de bande passante, de qualité des réseaux, etc. C'est quand même rapidement devenu un peu inutile, mais néanmoins, il semble que personne parmi les plateformes légales se soit jamais posé la question de savoir alors quand est-ce qu'on s'occupe de la qualité. Bah, nous, comme dès 2004, on avait commencé à stocker tout en qualité qu'on appelle lossless, c'est-à-dire même si c'est un petit peu compressé, quand c'est redéployé à l'écoute de l'auditeur, c'est parfaitement conforme comment dire, au fichier original, eh bien, on a rêvé dès le début de Cobuzz de pouvoir offrir tout en qualité lossless. Et on y est arrivé il y a 1 an et demi. Alors, c'est la raison pour laquelle on voulait vous avoir ce soir, parce que l'un des principaux freins, je dirais, à la disparition du CD, c'était effectivement le point de la qualité. Comme vous étiez l'un des premiers à proposer une qualité CD, et vous allez bien au-delà, hein, aujourd'hui, on va en parler avec Cobuzz, on voulait vous avoir ce soir, et également parler de vos 2 modèles. Vous êtes à la fois un distributeur de musique en téléchargement, comme iTunes, et vous proposez également des solutions de streaming concurrentes de Spotify et de Deezer. Alors, la qualité, c'est un élément important. Vous allez maintenant au-delà de la qualité CD par ce que vous appelez une qualité HD. Comment on peut définir ces qualités HD? Qu'est-ce que c'est pour vous, ces qualités HD, concrètement? À l'époque du CD, quand le CD est arrivé, on a entendu les audiophiles protester en expliquant que le CD compressait le son et était moins qualitatif que l'analogique et le vinyle. Ça paraissait vraiment incroyable à l'époque, et j'avoue que moi-même je les prenais pour des doudingues. On a toujours cette tentation de prendre les audiophiles pour des doudingues. Et le fait est que on a tous constaté à l'arrivée du CD, enfin vous tous, vous êtes trop jeunes, mais moi je me souviens, qu'il manquait de la chaleur, enfin du message, etc. Et depuis quelques années déjà, beaucoup de marques de disques affichaient derrière les CD qu'ils enregistraient en 24 bits. 24 bits, c'est tout simplement un format d'échantillonnage qui est supérieur à celui du 16 bits qui est du CD. Et dès lors qu'on n'avait plus la limite du support, puisque ça ne tenait pas sur un CD, soit on mettait ça sur des SACD, ou soit on mettait ça sur des DVD audio, mais tout format qui n'ont pas véritablement marché. Et donc la seule solution finalement maintenant pour livrer les gens, et de manière simple, c'est de leur livrer de la qualité qu'on appelle HD. Nous l'appelons, c'est une sorte de marque commerciale, Cobuzz Studio Masters. En vérité, c'est de la qualité, donc haute définition. C'est-à-dire, c'est ce qui sort de la table du mixage du studio, directement. Voilà, absolument. C'est ce qui sort, en ce sens que nous ne travaillons jamais qu'avec des fichiers qui nous sont fournis en direct par les maisons de disques. Certains sites, par exemple, ont voulu faire à tout prix du catalogue en Studio Masters en ripant avec des bidouilles des SACD, c'est-à-dire en prenant la couche haute définition d'un SACD. Nous avons toujours refusé cela, et d'ailleurs, je reste absolument convaincu que nous n'avons pas, nous, en tant que site internet, à bidouiller le travail des producteurs et des artistes. J'ai trop de respect pour le travail des producteurs et des artistes, pour avoir moi-même travaillé en studio, pour avoir enregistré des disques, pour avoir essayé avec l'artiste de rêver un son, d'imaginer obtenir un son, pour que je puisse laisser par quelqu'un d'autre, comme ça, bidouiller le résultat que j'ai voulu fournir. Je me tourne vers Julien Audara, qui est un audiophile, qui a un équipement audiophile à la maison. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, toi qui connais bien, qui as travaillé pour des maisons de disques notamment, que le grand public est sensible à ce discours, premièrement, et deuxièmement, est-ce que in fine, ça peut être aussi un discours pour inciter les gens au-delà de simplement choisir entre le CD et le téléchargement légal, justement choisir de plutôt privilégier le téléchargement légal que le téléchargement illégal, parce que là on a une qualité optimale, et la qualité optimale c'est peut-être la solution pour vaincre le piratage. Julien, tu as posé la bonne question quand tu parles de piratage. Oui, les gens veulent de la qualité, évidemment, on veut tous de la qualité. Après, est-ce qu'ils sont prêts à payer? Parce que c'est un peu plus cher, hein, le fait de choisir ce format-là. Mais on y reviendra. Alors, je laisserai Yves en parler, puisque c'est son bébé et c'est plutôt pas mal fait. La question, c'est ça. La question, c'est où est-ce qu'on l'écoute? Ouais. Ça, c'est une vraie question. Alors, est-ce qu'on l'écoute sur son iPod? Ça me paraît compliqué. Est-ce que c'est une écoute qui est faite pour la maison? Vraiment, ça dépend. Moi, personnellement, je suis toujours... j'ai encore de gros fichiers web sur mon Mac, et je les écoute toujours. T'as pu le voir, et je suis branché en optique du Mac vers la chaîne. Donc, a priori, j'ai un bon son. Donc, Yves, Rodrigo... Pardon, mais je peux faire un commentaire, là? Oui, vas-y, Rodrigo. Est-ce qu'ils sont prêts à payer? Première question, est-ce qu'ils voient la différence? C'était ma question, en fait. Ah oui, ben c'est ça, mais je sais pas, moi tu me mets un fichier en 160, en 192, en je sais pas quoi, et en je sais pas truc. J'ai essayé, hein, je sens pas la différence. Alors ça se trouve peut-être parce que j'ai une enceinte pourrie, parce que j'ai un casque pourri, parce que j'écoute avec mes enceintes fournies avec l'iPod pourri. Quand même, tu peux les racheter à 19 € alors que des vrais casques Shure, ça vaut 240. Il y a sûrement une différence. Mais le fichier, tu sens la différence? Bon, d'abord, il n'y a pas de qualité sans un fichier de qualité. Mais une fois qu'on a un fichier de qualité, si on en fait de la charpie par un équipement qui n'est pas adapté pour la mener à vos oreilles, supposée, elle, être de qualité, et là, Rodrigo, il faut faire tester son audition pour pouvoir... Non, mais les garçons, je suis allé chez Devialet, vous savez, le nouveau truc de conversion analogique digitale, machin, à 10 000 €. Ouais. Bon, je me suis installé dans le canapé. T'as pas senti 10 000 euros, et ben je trouve que ça fait à peu près le même son, désolé du Vialet, le même son que les enceintes Sonos chez Cédric, quoi, à 600 €. Bon, donc, Yves, finissez. Je veux bien tester mon audition, hein, regardez. Mais bon. Yves. En fait, la qualité de son, pour les gens qui ont des oreilles, enfin d'abord qui sont sensibles à la qualité de la musique, mais je conçois aussi que pour certaines personnes, enfin ça dépend de l'usage qu'on en a. Pour certaines personnes, la musique n'est pas une chose essentielle, la littérature va être une chose essentielle. Je suis toujours été frappé par ces peintres qui avaient de la musique de Mozart en bruit de fond et qui semblaient avoir besoin de ce bruit sans pour autant jamais l'écouter réellement, ou ces écrivains qui écrivent en écoutant de la musique. Mais quand on écoute la musique, par exemple, j'ai été, moi, non pas, je ne vous parle pas de Vialet, mais j'ai été chez Focal, et il y a 1 an et demi, et dans leur superbe studio, et j'écoutais leur auditorium, et j'ai écouté les grandes Utopias. Franchement, je ne connaissais pas ces bêtes, je connaissais à peine Focal à l'époque. Et j'ai écouté, je crois que c'était Nantes ou Pierre de Barbara, chanson que j'ai connue en vinyle, que j'ai connue en CD, que j'ai connue en cassette, que j'ai recopiée. Donc vraiment un master, toujours le même, ce seul et même enregistrement de Pierre. Et là, devant ces enceintes, je me suis trouvé, j'avais l'impression que Portal, qui joue de la clarinette, mais était là, à telle enseigne que je me suis dit, mais est-ce possible? Est-ce que c'est vous qui interprétez le master? Mais comment faites-vous? Est-ce que vous sollicitez? Est-ce que l'enceinte sollicite la qualité? Et voilà, et j'étais dans une situation où j'avais des enceintes magnifiques, j'avais une source magnifique, c'est-à-dire un fichier audio de base qui était le meilleur qu'on pouvait se procurer, qui était tout simplement un fichier donc WAV qui est sur le site Cobuzz. Si demain, la marque Universal remasterise cette chanson en repartant de la bande originale, eh bien peut-être qu'on va entendre des choses plus fines. Voilà. Donc, bref, j'avais la meilleure source, donc une source CD, en fin de compte, parce que je ne crois pas qu'ils aient remasterisé ça, pour l'instant, en 16 bits 44. J'avais une liaison entre la source et les enceintes, et l'amplificateur. J'avais un très bon amplificateur. Donc, j'avais tout au top, et je vous assure, mais que la qualité... sauter aux oreilles. Alors évidemment, quand les éléments intermédiaires vont être de moins bonne qualité, les uns ou les autres, vous avez des gradations. Monsieur X, du temps... Pardon, quand je suis allé à la démo de Vialet, les mecs m'ont fait écouter avec des enceintes à 2 000 €, bof, et après ils m'ont mis des enceintes à 40 000 €. Et je dis, ah ouais, top. Pour revenir au débat, à savoir, est-ce qu'il est nécessaire véritablement de monter en gamme et de monter en qualité pour vraiment concurrencer le CD et le voir disparaître? Est-ce que du temps où tu étais chez Apple, Monsieur X, c'était une préoccupation? Tu as connu le lancement d'iTunes en France notamment et en Europe. Est-ce qu'il y avait déjà une volonté, une stratégie d'aller vers la qualité? On sait qu'Apple a évolué puisqu'il y a eu différents standards, on pense à iTunes+, et au dernier standard qui a été mis en place tout récemment par la direction de Cupertino, qui s'appelle « Masterisé pour iTunes ». Monsieur X. Non, je crois que le premier souci d'Apple quand ils ont racheté iTunes, parce que iTunes n'était pas un logiciel Apple au départ, et puis qu'après ils l'ont... oui, c'est un seul de RIP. Ouais, qu'ils l'ont couplé à l'iPod, le souci affiché en tous les cas, ou proposé dans ce couple produit-service iPod-iTunes, n'était pas la qualité, non. Il faut se rappeler... plutôt alors, la quantité. Oui, c'est-à-dire qu'iTunes, bon, c'est un petit peu sévère, mais était un faire-valoir ou un mal nécessaire pour l'iPod. C'était le logiciel qu'on connaît toujours et qui permet de prendre ces fichiers numérisés et de les envoyer très rapidement sur l'iPod. Donc ça servait un besoin de base auquel répond l'iPod et qui est celui du Walkman initialement, avoir toute sa musique ou un maximum de sa musique tout le temps avec soi dans sa poche. Voilà, et ça c'est possible parce qu'il y avait iTunes, parce qu'il y avait l'iPod et qu'en dessous, bah, il y avait le fameux format MP3 qui permet de compresser à mort ou au maximum en tous les cas sa musique. Donc, on va dire l'équation d'Apple, elle était là, MP3, iTunes, et j'envoie et je gère tout ça rapidement dans l'iPod et je me balade dans la rue avec. Donc le souci de qualité n'était pas là, même si chez Apple et en tous les cas les gens qui pensaient le produit et au premier chef Steve Jobs, c'était des vrais mélomanes. Donc une fois qu'iTunes a rencontré du succès, il était logique de dire on va monter en gamme parce que aussi la techno MP3 s'est améliorée pour proposer de la qualité. Mais Apple a toujours été tiraillé entre un marché de masse qui est son vrai focus commercial et faire de la qualité pour quelques-uns. Et Apple progresse graduellement. On a vu apparaître quelque chose qui s'appelait iTunes+. Il fallait repayer 50 centimes en gros pour avoir une meilleure qualité. On a iTunes Match qui est arrivé, qui permet, on va dire, non pas d'améliorer véritablement la qualité de votre bibliothèque, mais de supprimer ceux de vos MP3 qui étaient de très mauvaise qualité. C'est déjà pas mal. Et puis là, bah, ils font quelque chose qui ressemble un petit peu, pour un béotien comme moi, à ce que décrit Yves, c'est-à-dire masterisé par iTunes. Mais c'est pas une question de source, là, c'est de dire on va aller s'adresser aux gens qui enregistrent de la musique en studio et on va leur dire, au moment où vous faites l'enregistrement, si vous comptez diffuser avec nous sur iTunes, voilà les réglages optimum que vous devez faire au moment de l'enregistrement de la musique. Donc, pour avoir une qualité optimale. Ouais, mais pour iTunes, pas une qualité optimale dans l'absolu et pas la qualité HD dont parle, je pense, Yves. Donc il y a une montée progressive en gamme d'Apple qui se fait au fur et à mesure que le matériel aussi monte en gamme, les cartes son de ses machines et ses casques. Mais c'est lent. Très long. Alors, je sais bien, Yves, qu'il n'est pas toujours bon dans le secteur high-tech d'être le premier à avoir raison, mais en l'occurrence, là, il semble qu'Apple vous suive, c'est plutôt flatteur. Alors, en vérité, je pense qu'il y a une... Enfin, bon, il est normal qu'Apple se préoccupe de travailler sur la qualité. Maintenant, la solution masterisée pour iTunes est très, selon moi, très critiquable. Ouais. Je vais dire pourquoi. Je voudrais dire une chose qui est très peu connue, c'est que le maillon faible depuis 10 ans de la qualité dans le domaine de la musique en ligne a été l'extraordinaire médiocrité de la distribution intermédiaire. Alors, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que le maillon qui relie la maison de disques à la plateforme. Il y a deux types de maillons. Il y a la major qui a intégré sa technique et qui livre. Et il y a les distributeurs indépendants qu'on appelle agrégateurs. Et force est de constater que ça a été un marché qui a été pris par des gens extraordinairement peu soucieux de qualité, mais qui voulaient faire du volume, avec des sociétés, je ne vais pas citer de sociétés françaises, mais je pourrais citer des sociétés américaines telles que Orchard, allemandes, telles que Zebralution, etc. Qui d'ailleurs, comme ces coucous bizarres, sont en train d'être toutes rachetées par des majors. C'est-à-dire que vous avez les pires difficultés pour obtenir le bon format. C'est-à-dire que ces sociétés proposant des prix déments aux labels pour les mettre, disait-il, sur les plateformes, pour automatiser la chose. Voilà, on faisait faire ça par les labels avec des espèces d'intranets. Les labels eux-mêmes comprenant absolument rien et même ayant une attitude tout à fait négative à l'égard de la musique en ligne, du genre « Oh, il vaut mieux que je vende de la merde en ligne, comme ça je vais continuer à vendre des CD », faisait riper les CD, mais absolument, et faisait riper les CD par des stagiaires, qui comprenaient rien, ne prenant même pas la peine des fois certainement de leur expliquer que dans iTunes on peut riper en ALAC, etc., ou en WAV. Bref, tout ça se retrouvait dans les tuyaux, nous était livré en vrac, et si vous saviez encore aujourd'hui, pardon de le dire, la boue qui nous est livrée, y compris, par exemple, nous on a toujours dit on veut être livré en lossless. Évidemment, quand on dit on veut être livré en lossless, ça veut dire qu'on veut être livré sans compris, au minimum en 1644 lossless. Mais on nous a livré du 128 gonflé en flac, vous voyez. C'est intéressant ça. Peut-être oui, que tu peux expliquer. Personne ne le sait. Yves, ce que c'est que gonfler un MP3 c'est tout simplement prendre un MP3 très très médiocre, qui peut être en 64 éventuellement, et puis le livrer au format flat, souhaité, le format optimum. Sauf que la source. Sauf que si on regarde avec un audiogramme, on voit qu'il y a un petit trait au milieu et que tout le reste est un grand vide. Alors pour l'auditeur, et d'ailleurs il y a eu des plateformes qui se foutent de la gueule du monde, qui ont prétendu vendre des flacs. Des plateformes françaises qui ont prétendu vendre du flac, on a trouvé ça sous la plume de journalistes très, très naïfs, et on disait, oui, mais telle plateforme, il n'y a pas que Cobuzz, telle plateforme dit qu'elle vend du flac. J'ai dit, regardez, qu'est-ce que c'est ? C'est du MP3, ils n'ont pas les contrats. Nous, notre travail, très franchement, ça a été de convaincre tout le monde d'abord de nous livrer en lossless, puis de nous autoriser à vendre en lossless. C'est-à-dire tout simplement de nous permettre, encore une fois, de rendre aux gens la qualité qu'ils avaient à l'époque du CD. Et juste un point, c'est que je n'ai pas fait ce site. J'ai pas fait ce site pour les geeks et puis pour les audiophiles qui souvent sont un petit peu pénibles. J'ai fait ce site simplement. Le cœur de ce site, ça a été Oui. Vous m'entendez plus ? Oui, non, mais si on vous entend, continuez, continuez, Yves. J'ai juste fait ce site pour travailler pour Monsieur Tout le Monde et lui rendre la qualité qu'il avait à l'époque du CD. On fait plus, on peut faire plus, c'est marrant, il y a des gens que ça intéresse, mais je ne voudrais pas qu'on me fasse enfermer dans le truc pour audiophile obstiné, quoi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un revers de la médaille, comme vous le disiez tout à l'heure, Yves, par rapport à ce format que va maintenant véhiculer Apple, à savoir masterisé pour iTunes, de se dire qu'aujourd'hui, Julien, toi qui as travaillé dans une maison de disques, les studios vont réfléchir à optimiser le rendu d'un album en fonction de la manière dont il va sonner sur un iPod ou un iPhone, et non plus forcément comme il doit rendre d'une manière optimale sur un CD ou sur une chaîne hi-fi, tout simplement. En clair, on va concevoir des disques pour Apple et non plus pour le marché du CD. Et ça, forcément, ça risque de contribuer également à la mort du CD. Ton avis, Julien ? Mon avis, c'est que le boum, 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 qui est fait pour les casques, Beats by Dr. Dre, ça va être ça. De toute façon, ils vont pas faire deux mastering. Gros. Ils vont pas faire deux mastering. Donc ils vont faire un mastering iTunes, peut-être un mastering CD. Ensuite, ils vont refaire des paramètres pour iTunes. C'est pour du marché single, c'est parfait. Voilà. Baisse de qualité, de toute façon. Elle est déjà à la baisse de qualité, même sur les CD. Moi, je me souviens, il y a quelques années, dans une autre vie, quand je travaillais pour un magazine qui était à la frontière entre la technologie et la musique, ça s'appelait SVMPod, c'était bien. J'avais la chance d'interviewer des artistes, notamment, je me souviens d'une interview de Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine, qui à l'époque, c'est remonté il y a 2-3 ans, me disait, voilà, moi, le rendu optimal de mon album à l'époque, eh bien, c'était pas sur un CD, sur une chaîne hi-fi, il l'avait mis sur son iPod, il écoutait sur son dock d'une marque bien connu, et si ça rendait bien là-dessus, il était content. Donc on voit bien, Yves, que déjà les critères de qualité ont déjà été un petit peu transformés, pas seulement par Apple, mais aussi par les nouvelles habitudes de consommation des utilisateurs aujourd'hui, qui n'utilisent pas forcément une chaîne hi-fi audiophile, mais plutôt un dock qu'une chaîne hi-fi. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais que j'ai entendu ce Pierre de Barbara, que je croyais connaître pour avoir vécu pendant 30 ans avec, l'avoir connu en cassette, etc. Et tout d'un coup, je disais, mais qu'est-ce que vous avez fait à cet enregistrement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'était rien passé, et c'était magique. Alors croire qu'il y a une vérité en termes de mastering, c'est être très naïf. C'est être un peu naïf comme à la manière des audiophiles qui n'ont jamais été au concert et qui pensent qu'ils ont un orchestre dans leur salon. Un orchestre, on l'entend au concert. Et quand on écoute un disque, on a une sorte de logiciel interne qui retranscrit avec toute l'expérience du concert qu'on a eue et qui, quelque part, vous crée un imaginaire de ce que vous écoutez. Donc, on est là dans le domaine quand même assez poétique. Alors ça peut paraître, du coup, on va se dire, mais c'est du n'importe quoi, ça veut dire qu'on interprète tous la musique qu'on entend, quelle qu'elle soit. Je crois, oui, on l'arrange, on la réinterprète avec notre cerveau. Maintenant, toujours est-il qu'il y a des choses qui sont absolument factuelles, et c'est ça que je voudrais dire, c'est que, oui, un album en qualité CD, joué sur une chaîne correcte, qui sort de votre ordinateur avec un DAC. Il y a des DAC chinois qui coûtent 59 €, qui sont fantastiques sur Price Minister ou sur eBay. Je vous assure, vous avez une expérience musicale, donc avec une dépense absolument minimum, avec votre vieille chaîne, vous avez une expérience musicale qui est tout à fait supérieure à si vous écoutez du MP3, même 320, directement branché sur votre chaîne. Ça, c'est la pure vérité. Et nous, ce qu'on essaye simplement de faire, c'est juste de travailler à permettre d'élever le niveau. Et il faudrait peut-être tout simplement qu'Apple pense enfin à changer son fameux casque blanc que vous utilisez ce soir pour cette émission, un peu contraint, je l'avoue, et qui est franchement pas la référence en matière de rendu musical. Alors, premier volet de l'émission, on a parlé de la qualité par rapport au CD. Deuxième grande tendance du marché à côté du téléchargement, je l'ai dit en début d'émission, c'était le streaming. Qu'en est-il du marché du streaming? Déjà de la qualité. Rebondissons sur le stream et la qualité. On en est où aujourd'hui, messieurs? Tiens, on va demander à Julien, mais tu connais bien ce niveau-là. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, ce qu'on écoute via Spotify, via Deezer ou via Cobuzz équivaut à ce qu'on entend déjà en téléchargement sur iTunes et ce qu'on entend aujourd'hui par rapport à un CD dans un salon? Je reprends ce que disait Yves. Une maison de disques va livrer via un agrégateur ou elle-même, donc une plateforme, les plateformes de streaming avec des fichiers souvent MP3 en 128, 256, 320, que sais-je. Et a priori, et dis-moi Yves si je me trompe, mais toutes les plateformes de streaming, mis à part Cobuzz avec les studios master, délivrent à peu près la même qualité audio. En formule le premium, c'est-à-dire en formule premium, à 10 €, n'est-ce pas? Théoriquement, oui, sauf que nous faisons quand même la chasse aux MP3 gonflés. Donc nous, on les vire, les MP3 gonflés, maintenant. Mais en gros, la qualité, pour comparer à ce qu'on téléchargerait, c'est la même chose aujourd'hui en streaming par rapport au téléchargement ou au CD? Par exemple, il y a une grande majeure que je ne citerai pas, qui encore jusqu'à il n'y a pas longtemps, ne livrait à toutes les plateformes que du 256. Et nous avons été la seule plateforme à être livrée. Ils ne sont pas très nombreuses, hein. Il y a Sony, Universal et EMI, c'est réglé. Et nous avons été la seule plateforme à être livrée en lossless. Donc je peux vous dire une chose, c'est que pendant quelques mois au moins, maintenant je ne sais pas, nous étions certainement la seule plateforme à pouvoir dire qu'on livrait du 320. La seule, du vrai. Donc aujourd'hui, sur Cobuzz, c'est du 320. Sur Spotify, je crois que c'est également le cas, je ne vais pas dire de bêtises. Excusez-moi, mais je vais intervenir 2 secondes. Oui, si je me mets à la place du consommateur grand public, je t'en prie. Mets-toi à la place. Vous parlez même pas mandarin, mais une vague dialecte des provinces intérieures de Sichuan. Hein. Traduis, Rodrigue. Mais je sais pas de quoi vous parlez, quoi. De lossless, AAC, FLAC, web 256, 320, gonflé, MP3, machin. Oh. Je comprends rien. Olivier, infographique. Ouais, on essaiera de diffuser ça, mais en gros, en résumé, le consommateur lambda qui lui ne regarde pas On fait le Mac toutes les semaines, il comprend encore moins, quoi. Ouais. En gros, ce qu'on peut dire, si je vais mettre Kylie Minogue, tiens, ma boom samedi soir, j'ai pas besoin de 320 flac lossless assez encodé MP3. Par rapport à la promesse qu'offrait le CD en termes de qualité, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, hein, Yves et Julien, mais pour résumer, pour Rodrigo et ceux qui, c'est vrai, n'auraient pas les clés pour comprendre ce que l'on dit, et Rodrigo a raison d'insister, en gros, entre le passage du CD au MP3 première génération, celle qu'on a connue à la fin des années 90, début 2000, on garde que 5% de la capacité de restitution, c'est ça, d'un morceau. C'est ça, messieurs, pour comprendre la dégradation de la compression par rapport au CD. On perd énormément de détails et alors évidemment ça va dépendre encore une fois des répertoires, ça va dépendre de la sensibilité qu'on a à certains répertoires et ça va donc gêner plus ou moins la personne qui écoute, mais on perd énormément. Voilà, je recherche mes notes. Un MP3 ne conserve qu'un peu plus de 5% de la matière sonore captée en studio, mais ce n'est pas forcément ce que perçoit l'oreille humaine. Hein. C'est deux choses bien différentes. Le MP3 vise à vous fournir le meilleur résumé, je dirais, de ce qu'on lui... On rentre le produit original, on en sort le MP3, et le MP3 est censé vous avoir réduit tout ça de la manière la moins... comment dire, la moins destructive possible, mais le fait est que ça détruit énormément d'informations musicales. Voilà. Alors, ça, c'est un fait qui est mathématique qui permet aux gens aussi qui s'entendent, quoi. Je vais parler en semi-geek. Ouais. C'est un MP3 par rapport à un fichier CD. C'est un fichier CD zippé. Mais pour le zipper encore plus, pour que ça prenne le moins de place possible. Compressé. Voilà. Compressé, pardon. Bah, zip. Tout le monde avait déjà utilisé un WinZip. Oui. Bah, pardon, pas WinZip. Non, pas WinZip. Donc tu as mis un filtre passe haut et un filtre passe bas, c'est ça? Mais en gros, tu coupes les fréquences qui sont un peu trop hautes. Bon, on va enchaîner sur autre chose que sur la qualité, parce qu'on va pas faire l'émission sur toute la qualité. Parlons marché du streaming. Ce qui est intéressant chez vous, Yves, donc, si vous avez fait le choix de deux modèles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous rendez compte que le streaming à terme c'est l'avenir et va manger le marché du téléchargement au-delà du marché du CD. Je suis convaincu depuis très très longtemps que le streaming c'est l'avenir, et en fait je suis convaincu depuis 1983 ou 4, parce qu'à l'époque où j'étais journaliste et arrivait le CD, et j'avais été envoyé pour faire un reportage sur le CD, et je m'étais retrouvé au ministère de la Culture auprès de la dame qui s'occupait de la prospective, qui faisait les études prospectives du ministère de la Culture. Donc on parlait de Minitel. Non, c'est incroyable cette histoire là. On parlait de la musique, de l'arrivée du CD. Moi, j'étais un jeune con, je trouvais c'est formidable, etc. Elle me dit, mais vous savez, monsieur, le CD, c'est un support. Mais elle me dit, un jour, vous savez, la musique arrivera à la maison comme l'électricité et le gaz. Alors là, ça m'a absolument stupéfait. Et je suis resté avec cette idée en tête pendant toutes ces années. Et quand j'ai fait Cobuzz et quand je me suis occupé de musique en ligne, c'était pour poursuivre cette idée qu'avait instillée la dame dans mon esprit. Donc j'ai toujours pensé, et en plus, évidemment, vous savez bien l'avantage du streaming par rapport à la disponibilité des répertoires. Il faut se rappeler que moi, quand j'avais 16 ans, je collectionnais mes francs 1 à 1 pour m'acheter une intégrale des symphonies de Bruckner, alors qu'aujourd'hui, vous avez toutes les intégrales des symphonies de Bruckner au bout des doigts pour un abonnement à 5 €, et pour un abonnement même à 5 €. C'est juste extraordinaire comme usage. Bon. Mais il y a 4 ans, quand on parlait streaming, et Julien s'en rappelle certainement, on nous expliquait que le modèle économique de la musique dans le futur, ça serait la gratuité. Et donc j'avais commencé à faire un projet qui s'appelait Cobuzz et qui visait en premier lieu à faire un service de streaming payant, parce que ça me semblait être ce qui allait advenir. Mais il y a eu un concurrent qui, pendant 3 ans, a agi de manière... Deezer, pour pas le nommer. Probablement convaincante auprès d'un certain nombre de gens, ouais, qui a foutu le bordel dans le marché, jusqu'à revenir, paraît-il, finalement sur notre modèle, ouais, c'est-à-dire de vendre des abonnements. Et pendant ce temps-là, c'est-à-dire que la gratuité a tendance à disparaître sur le streaming. C'est-à-dire qu'on peut écouter chez la plupart des opérateurs de streaming 4 ou 5 fois le même morceau. Après, c'est plus possible. Voilà. Maintenant, le problème. Maintenant, le principe, c'est plus d'être gratuit. Le principe, c'est de dire, vous essayez gratuitement. C'est ce qu'on appelle le freemium. Vous essayez pendant une période. Si ça vous plaît, on vous convertit. Voilà. Donc, la gratuité n'est plus une fin en soi, n'est plus un problème définitif. C'est un accès. Donc, ce qu'on a fait quand on a vu cette situation, et je me suis dit qu'on allait juste perdre notre argent à continuer dans cette condition, c'est à ce moment-là qu'on a fait le tournant sur le téléchargement. On s'est mis à faire du téléchargement, ce qui n'était pas complètement notre but d'origine. Et du coup, c'est à ce moment-là d'ailleurs que je me suis mis sur le téléchargement haut de gamme. L'avantage, c'est que nous, de la sorte, nous avons constitué notre coffret-fort de musique, nos serveurs, avec des fichiers de la meilleure qualité possible. On a emmerdé tout le monde. Ça, dans les maisons de disques, on vous le confirmera, nous sommes des emmerdeurs. Nous passons notre temps à demander de la qualité, à contester des fichiers qui ne sont même pas contestés par iTunes. On a des fichiers qu'on reçoit défectueux, qu'on télécharge sur iTunes pour voir s'ils ont le même. Il y a un pet chez iTunes comme chez nous, mais c'est marrant, chez iTunes, personne apparemment ne l'entend. Ça, c'est un problème, justement, je voyais de la compression. Et nous, les gens, ils nous renvoient le truc, ils nous disent « je l'ai passé à l'audio machin », vous êtes des escrocs, etc. Donc, on a constitué notre coffre-fort de musique de la meilleure qualité possible. On a jarté ce qui était le plus odieux, le plus malhonnête, c'est-à-dire livré du 64 gonflé en pseudo-lossless. C'est juste incroyable quand même, mais on l'a jarté. Et du coup, quand on est revenu sur le streaming, et j'ai terminé, eh bien, on offre une qualité de streaming qui est très exceptionnel. Monsieur X, Rodrigo ou Julien, selon vous, les plateformes de streaming, Yves disait que c'était l'avenir. Est-ce que vous pensez qu'elles sont viables aujourd'hui? Économiquement, elles ne gagnent pas d'argent. Non, moi, je n'ai pas de réponse absolue. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas le cas. Ouais, mais je crois que... Enfin, de mon point de vue, c'est pas forcément la bonne question de dire est-ce que les plateformes de streaming sont l'avenir, est-ce qu'elles vont marcher et tuer le reste. Moi, après, c'est ma sensibilité d'utilisateur. Moi, je pense qu'il y a beaucoup à faire au niveau du streaming, mais si le streaming arrive à trouver des niches de valeur, je m'explique et je prends mon exemple pour cela. Moi, Cobuzz, je trouve le principe génial, quoi. Bon, est-ce que je vais m'abonner à Cobuzz? Non. Pourquoi? Parce que j'ai 5000, 7000, 8000, je sais plus, musique sur iTunes, que je les ai passées à iTunes Match, ça m'a coûté 25 €, et que j'ai une qualité, comme disait fort justement Rodrigo, parce qu'on en revient à ça, pour on va dire un audiophile de base comme moi, qui est suffisante pour mon iPhone, mon iPod, mon iPad, ma voiture avec un câble, etc. C'est-à-dire 95% de mes utilisations, et en plus avec AirPlay maintenant, je peux envoyer ça dans mes enceintes, mes trucs, mes bidules. Et puis, j'ai pas envie de dépenser l'argent et j'ai pas une pièce suffisante pour m'acheter des enceintes focales, même si c'est génial. Et je n'ai plus de chaîne IFI. Moi, j'ai des enceintes qui sont intégrées à ma télé de qualité, on va dire, honnête. Donc, remplacer tout l'acquis numérique que j'ai eu avec iTunes par du Cobuzz, non, je vais pas y aller parce que je suis trop feignant pour ça. Ça serait trop long et trop compliqué. En revanche... Moi, je serais prêt à m'abonner à un service comme Cobuzz sur un segment ou une niche très particulière, qui est l'opéra, parce que je suis un fan absolu d'opéra. C'est un peu la spécialité d'Yves. Et on se voit sur Gavot le 3 mai ou pas? Non, malheureusement. Ouais, mais il n'y a pas vraiment de service... iTunes en tête qui propose des catalogues d'opéra assez profonds en termes d'années, en termes de versions. Et quand on les a, c'est mal classé. Les tags qui décrivent les morceaux sont nuls et la qualité, les métadatas et la qualité est médiocre. Donc moi, sur l'opéra et puis peut-être un peu de jazz, hein, pas tout le jazz, c'est bien trop vaste. Moi, je suis prêt uniquement pour cette niche à payer 10 € par mois, voire à me racheter un ampli et des bonnes enceintes. Et je pense que c'est peut-être là qu'il y a des niches de très forte valeur pour des services de streaming comme Cobuzz. Le problème n'est pas seulement la rentabilité des sites, il est également la rentabilité des répertoires pour les producteurs. C'est très simple. Quand vous avez un abonnement à 10 €, par exemple, prenez un genre comme la musique classique. C'est grosso modo 2,5% de part de marché en numérique. Donc votre abonnement à 10 €, moins la SACEM, moins la marge de la plateforme et moins, bien entendu, la marge, c'est-à-dire qu'il reste 6,50 € pour la musique. 6,50 €, 2,5% pour toute la musique du monde, toute la musique classique du monde, tous les producteurs, toutes les nouveautés, tout le truc. C'est simple, c'est juste pas possible. Ça rapporte entre 20 et 200 fois moins que le téléchargement du même album que vous écoutez sur iTunes. C'est paradoxal ce que tu dis, ce que vous dites, Yves. Il y a 5 minutes, vous disiez que c'était l'avenir. Attendez, je termine. Et donc, je dis que l'avenir, c'est le streaming en tant qu'usage. On est tous d'accord là-dessus, je pense. Il faut savoir payer le bon prix. Il va falloir segmenter. Il va falloir segmenter. Et c'est exactement ce que nous dit notre ami. Il faut segmenter. Alors, je vais vous dire pourquoi je n'ai pas fait, par exemple... J'ai segmenté par la qualité, c'est-à-dire j'ai dit je donne un abonnement à 29 €, enfin je donne, ces façons de parler, en vraie qualité CD, nous en faisons une première mondiale, ça marche assez bien, franchement, ça marche bien techniquement et c'est tout à fait bluffant, bon. Mais j'ai pas voulu tout de suite, je suis quand même pas maso parce que je veux bien tirer les marrons du feu, mais il faut quand même être un petit peu, je veux dire, voilà, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. J'ai pas voulu segmenter encore sur les genres. Je le fais quand je veux. Je peux par exemple offrir un abonnement bobo avec certains types de musique. Je peux offrir un abonnement classique. Je peux même peut-être avoir avec un consentement à payer à 14, et je suis sûr que les gens suivront. Et là, j'ai terminé. Si l'abonnement à 14 est par exemple uniquement un abonnement classique, ou à 10, vous aurez 100% des revenus qui vont aller à 100% des producteurs classiques. La différence de rémunération que vont avoir les producteurs à ce moment-là, mais va être juste gigantesque. Et là, ça va être rentable pour eux d'y aller dans ces abonnements. Voilà, d'où cette idée des abonnements spécialisés qui, en tant qu'utilisateur segmenté, moi, me séduit. Avant de donner la parole à Rodrigo, Julien, toi qui as connu l'âge d'or du CD, le téléchargement légal et au-delà le streaming, effectivement, ça se traduit par une peau de chagrin pour les artistes. Au final, il ne reste pas grand-chose, finalement. Si bien que tu parles des artistes, parce qu'on parle beaucoup des producteurs, on ne parle jamais des artistes. Des magos. Et non, mais c'est vrai. Moi, j'ai plein de copains artistes. Je suis musicien moi-même. Voilà, je le dis pas trop, mais c'est vrai. Témoin. Les artistes gagnent pas d'argent. Il y en a plein qui gagnent pas d'argent. Il y en a plein qui sont chez des majors. Alors voilà, on va encore reparler de majors qui ont touché de grosses avances pour du téléchargement, du streaming, qui ne voient pas la queue de tout ça. Il y a eu une énorme polémique lancée par un des fondateurs de Spotify, qui est lui-même l'ancien président de Facebook avant Zuckerberg, et fondateur de Napster précédemment, qui dit les artistes... Le chantre du piratage. Le chantre du piratage, mais il n'y a pas que lui. Sean Parker, exactement. Sean Parker. Mais il n'y a pas que lui, je crois que Daniel Ek aussi a commencé chez uTorrent. Bah, c'est lui qui a écrit le programme. Il était ado. Voilà. À 16 ans, je crois. Il y a des ados doués. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui disent c'est compliqué de survivre avec tout ça, et surtout avec le streaming. Donc comment on fait? Alors qu'avant, ils vendaient un CD, il y avait un certain pourcentage du CD, c'était vendu... Mettons que c'était vendu 10, il y avait 4,5 pour l'artiste, quand il se débrouillait bien. J'abonde avec Monsieur X, vous voyez, on est en symbiose absolue avec ce garçon. Big up. J'ai plus vraiment de chaîne IFI, la seule que j'ai, elle était branchée sur la télé, justement parce qu'elle n'avait pas d'enceinte sur ma télé, la vieille. La seule raison pour laquelle je m'achèterais une enceinte, enfin un ampli, c'est pour l'opéra. Je vais t'en passer. C'est pour le jazz. Un Billie Holiday en intégrale, hein, si Abeille veut nous sortir Billie Holiday des premières années jusqu'à sa mort, à nouveau, why not. Et je rajouterai le R&B, hein, Alicia Keys, elle envoie de la voix, c'est vachement bien. L'argument sur le streaming, c'est comme si on discutait avec des gens qui ont des œillères, comme ça. Vous savez, je l'ai déjà raconté 20 fois dans French Connection, l'ancienne émission avant celle-ci, c'est Steinbeck, je crois que c'est à l'Est des Dead, où c'est une... Tout le monde ne suit pas. C'est une histoire de fabricants de glace, et qui se disent, nous on fabrique des glaces, donc des glaçons, hein, pour faire des conserves, et un jour arrive le fabricant de frigo. Mais qu'est-ce qu'on fait? Aïe, est-ce qu'on fabrique des glaçons moins chers, des glaçons plus vite, des glaçons plus gros? Où on se dit, zut, le frigo... Et là, pour rester. Vraie question, non? Mais c'est pareil pour la musique. Et sur la musique, il y a une source de revenus qui est la vente de produits physiques ou la vente de la musique en tant que telle. Il y a plein d'autres sources de revenus. Alors moi, j'ai posé la question à Pascal Nègre plusieurs fois. À chaque fois, il n'a pas voulu répondre. Mais... Les casques. Non, mais il y a les droits dérivés des passages télé, des radios. Il y a en particulier les droits dérivés associés à tout le merchandising. Regardez Lady Gaga, tout ce qu'elle fait. Il y a tout ce qui est concert. Moi, dans les Trepco, je vais payer plus de 100 € pour aller la voir. Moi, quand je vois des concerts, c'est plus de 100 € à chaque fois. En revanche, je n'achèterai jamais un album de ces gens-là. Je préfère m'abonner à un service de streaming. Donc, pleurer sur la peau de chagrin de la vente, je ne sais plus... Nègre nous disait que c'était passé de 1,4 milliard de marché à 650 millions en 5 ans. Très bien, mais combien ils font dans les autres marchés qui se développent? Et je ne sais pas pourquoi Madonna, du coup, ne vend plus de disques et s'est associée avec un producteur d'événements. Yves, tout le monde n'est pas Madonna. Il y a quand même des jeunes talents qui doivent émerger et qui doivent gagner de l'argent pour émerger, pour payer pour les produits. Cher Rodrigo, tous les producteurs ne sont pas des majors. Et non pas même au titre des comme les majors, je dirais simplement la capacité de traverser le tunnel. Mais quand le marché est parti au frigo, pourquoi est-ce qu'on continue à faire des glaçons? Sur la rémunération des artistes, on pourrait dire, vous serez peut-être d'accord avec moi Julien, que téléchargement ou CD, c'est grosso modo kiff-kiff. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire que le téléchargement à l'acte paye très très correctement les artistes et les maisons de disques. Donc ça, il n'y a pas de souci. C'est le streaming. Et le streaming, réellement, c'est l'aveuglement de ceux qui ne comprennent pas ce qu'on essaie d'expliquer depuis tout à l'heure sur l'histoire de la segmentation. Mais enfin, c'est quand même très très bête. Si vous mangez un énorme... Avec des géants autour du même plat de lentilles, vous n'aurez rien à bouffer. C'est quand même... On peut comprendre ça. Tout le monde peut comprendre ça. Alors, il ne faut pas seulement voir l'industrie de la musique enregistrée... comme vu à travers les majors, la détestation ou les critiques qu'on peut leur faire. Il faut penser au mec qui a produit un disque et qui trouvait son équilibre économique en vendant 12 000. Voilà, lui, son problème, c'est de récupérer le pognon que ça lui rapportait avant quand il en vendait 12 000, parce que comme ça, il va pouvoir faire d'autres disques. Ça peut être de la musique classique, ça peut être un artiste en développement, etc. etc. Et c'est pour ça qu'il faut trouver des modèles économiques variés, divers, en effet, où il y aura le téléchargement, il y aura un streaming devenu un peu plus intelligent, un peu plus voilà, avec une vraie pensée marketing du côté des plateformes et pas une attitude de bourrin de la part des plateformes qui dit je veux tout mettre sur mon site, j'ai 7 millions, j'en ai une plus grosse que toi, j'ai 11 millions de titres, etc. Ben oui, c'est ça. Qui est la plus grande? Voilà. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, franchement. Sortez les doubles décimètres. Messieurs, un dernier mot concernant le streaming avant de finir sur la vraie question de cette émission, à savoir quel avenir pour le CD. L'attitude d'Apple. On s'attendait qu'Apple, avec le rachat de Lala, se lance à son tour dans le streaming en proposant deux services, à l'image de ce que vous faites, Yves, avec un côté le téléchargement et de l'autre le streaming. Et ils ont botté en touche avec une offre intermédiaire avec iTunes Match. Ça veut dire quoi, Yves? Ça veut dire ça veut dire que le modèle du téléchargement à iTunes marche bien, est rentable pour tout le monde, et que verser, imaginez que iTunes se soit mis tout d'un coup à faire du Spotify, vous auriez vu les dégâts. Ce qui se passe, c'est que l'évolution de Spotify, plus Spotify progresse, et compte tenu que vous le savez bien, dans Spotify, dans Cobuzz, dans Deezer, Premium, vous avez la possibilité d'écouter le offline, c'est-à-dire d'écouter du téléchargement dans la même qualité qu'iTunes. Pourquoi voulez-vous, une fois que vous avez payé 10 € par mois et que vous avez cette possibilité, acheter quoi que ce soit sur iTunes? Donc pour iTunes, dans ce modèle-là, ça supposait faire un grand pas, et moi je vois iTunes Match déjà comme une espèce de demi-streaming ou quart de streaming, quart de service de streaming, de musique dont on est propriétaire. Voilà, et je pense que peu à peu, il va y avoir une espèce de jonction qui va faire que les services de streaming comme Spotify vont encore une fois se mettre enfin à segmenter pour créer de la valeur pour les gens qu'on en a besoin, et d'autres services comme ce téléchargement d'iTunes vont eux-mêmes se mettre finalement à faire un peu plus de streaming, ce qu'on voit déjà avec iTunes Match. Il n'empêche, les ventes de CD restent dominantes en France très largement. Yves et Julien, à quand vous pensez que le ratio va s'inverser? C'est quoi? C'est l'ordre de 80-20 aujourd'hui entre le téléchargement, le streaming et de l'autre le CD? CD 80-20 téléchargement streaming? Ce 80-20 dirait quelque chose si on était à marché égal, par exemple, à la hauteur de 2002. Or, on a perdu 60% du marché, je crois, depuis 2002. Oui. Donc, vous êtes à 80-20 sur 40% restant. Hein. Donc, j'aurais envie de dire, moi, qu'elle crève cette vieille charogne de CD maintenant, elle commence vraiment à nous emmerder, parce que je vous explique, qui est-ce qui vend des CD? Il faut être sérieux. Qui est-ce qui vend encore des CD? Le prix des CD qui se vendent a terriblement chuté. C'en est au point où c'est vraiment la fin des haricots, ça paye même plus la logistique pour l'apporter aux clients. Hein, quand vous avez des CD à 4 € livrés à la maison, je vous garantis que personne ne gagne sa vie, sauf peut-être la Poste. Bon. Alors, ça ne garantit plus aucune la présence en magasin. Je crois que les majors espèrent encore vendre un peu de Michel Sardou à la FNAC et dans les hypermarchés. Je pense qu'elles se foutent le doigt dans l'œil jusqu'au cou, parce que je pense que même la matrice de ménagères de 50 ans et plus qui aime Michel Sardou et se trouve en face d'un produit, le CD, très très décrédibilisé, parce que ses enfants lui disent « mais c'est totalement ridicule, maman ». Alors à quelle échelle il faut se mouiller un petit peu. Va-t-il disparaître des rayons? En clair, est-ce qu'il y aura encore des vendeurs de disques d'ici 3, 4, 5 ans? Je voulais que je vous fasse une révélation ce soir. J'ai reçu une lettre recommandée de la FNAC m'expliquant qu'elle fermait mon compte en mars 2013. Elle s'y prend à temps. Voilà, donc je vous donne un scoop là ce soir. Waouh! Du label? Du label, voilà. Elle ferme mon compte physique en mars 2013. Donc j'ai tendance à penser que si elle m'a envoyé cette lettre, c'est qu'elle a bien une idée derrière la tête. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver à la FNAC? On vendra que du matériel, on vendrait plus non, vous savez qu'ils vendent des aspirateurs et des machines à café désormais. Attention, haut de gamme. C'est vrai qu'ils ont déjà fermé la FNAC Bastille il n'y a pas très longtemps. Non, je pense franchement que qui était spécialisé dans le disque. Je vous dis franchement, peut-être que dans le métier d'autres personnes vous diront d'autres choses, mais moi j'ai toujours pensé qu'à la fin 2013, le CD, ça serait en tant que véhicule disons industriel de la musique, c'est de ça qu'on parle, on ne parle pas des collecteurs, etc. En tant que véhicule industriel principal de la musique, fin 2013, le support physique. Donc ça veut dire que tous les CD qui sortent aujourd'hui sont collecteurs. Gardez-les. Voilà. Rodrigo, Monsieur X, un petit mot pour conclure sur ce sujet. Moi, juste une petite précision. Moi, je pense que ça va durer quand même un petit peu plus longtemps. Ouais. Ça reste un objet cadeau par excellence. Ouais, parce qu'il y a encore pas mal de gens, voilà, c'est un objet cadeau, qui aiment bien avoir l'objet et pas uniquement des choses dématérialisées. Il y a aussi Puis la compile, je suis avec sa compile, ça marche encore très bien. 1 million de compiles d'énergie en 2011. La compile, mais c'est pas vraiment de la musique, ça. Oui, mais enfin, c'est un support qu'on peut offrir. Je sais pas. Il y a quelque chose qu'on a oublié au-delà de l'achat de la musique sur CD, c'est l'usage de la musique sur CD qui est quand même un peu plus large. On fait, je pense, toujours une petite erreur supplémentaire qui est le marché de l'occasion, quelque chose qui n'existait pas il y a 15 ans sur les CD. Aujourd'hui, je ne sais pas combien, mais comme pour le DVD, beaucoup de gens vont acheter, c'est mon cas, hein, des CD sur Price Minister, parce que je ne les trouve plus à la FNAC et je ne les trouve même pas sur Amazon ou sur les sites qui sont supposés être bien achalandés. Donc il reste aussi un business, mais qui n'est pas rentable, qui est un business pour les gens qui ont envie d'avoir de la musique de qualité. C'est un business de fin de cycle, c'est vraiment... Donc, voilà. Oui, donc Yves a certainement raison, en tant que véhicule industriel et commercial pour la nouvelle musique qui sort, peut-être qu'en fin 2013, il y aura un point d'inflexion et puis ça sera le dématérialisé qui sera devant, ça moi je sais pas. Dans l'usage, ça va durer encore... à mon avis un peu de temps, et puis ça disparaîtra jamais vraiment comme le vinyle. Mais là, quand on arrivera au volume du vinyle, on sera parmi les audiophiles, et ça concernera plus que les doudingues. Mais je reprends ce que disait Yves, il y a quand même un truc qui risque de rester, pour conclure, pardon, c'est les coffrets. Les CD que j'ai achetés la semaine dernière, il y a 2 semaines, c'est le coffret The Wall Immersion de Pink Floyd. Je suis extrêmement fan, il y a des trucs assez rigolos dessus. Et puis ça me faisait marrer d'acheter un gros coffret de Pink Floyd vachement joli. Voilà. Ouais, c'est l'objet. C'est l'objet collector. Bien. Bien, merci messieurs. J'espère qu'on a été le plus clair possible sur l'avenir du CD. On va voir très rapidement hein, si le support physique va disparaître. C'est aussi valable pour la vidéo. On aura l'occasion d'en parler dans cette émission. On passe aux questions Twitter. Alors messieurs, question Twitter ce soir. Une question qui va faire le pont entre le marché de la musique et le Mac en particulier et le CD tout court. C'est une question de Rick. 11. Monsieur X, pensez-vous qu'Apple continuera d'utiliser un lecteur CD-DVD à l'avenir dans les MacBook et les MacBook Pro? C'est l'actualité, il y a beaucoup de rumeurs autour de ça et on l'a vu que déjà dans les MacBook Air, il n'y en avait plus. Mais la réponse, elle est simple, hein, elle est dans la question. Ils veulent s'en débarrasser le plus vite possible. Voilà, et pour s'en débarrasser, Apple appuie sur le champignon avec la VOD. Et puis aussi appuie très très fort sur la HD, hein, au sens large, la HD pour la vidéo, hein, soyons précis. C'est vraiment peut-être le premier média numérique où quasiment d'entrée de jeu, il aura été vendu plus de films et de vidéos en streaming que sur des médias physiques comme les anciens DVD HD ou les Blu-ray. Donc voilà, le point d'inflexion il est là, il restera sans doute des lecteurs de DVD sur les MacBook Pro parce qu'il y a un certain nombre d'huluberlus comme moi qui veulent absolument conserver ça. Ils veulent ripper leurs DVD. Oui, moi je pense pas Monsieur X, il y a 3 raisons pour lesquelles ça va disparaître en effet. Ouais. Un, on s'en sert quasiment jamais. Sur l'ordinateur, on s'en sert quasiment jamais. Soit pour installer des nouveaux logiciels, mais maintenant tout est distribué directement par l'App Store, donc il n'y a pas vraiment besoin. La deuxième raison, c'est que la tendance est aux ultra fins, aux ultra portables, donc il n'est pas exclu que la gamme des MacBook Pro chez Apple devienne des MacBook Air Pro ou un nom similaire, donc on va l'enlever pour la place. Et puis il y a une tendance également chez Apple à chaque fois de sortir le produit suivant au même prix que le précédent. Mais si on arrive à enlever des pièces, donc on descend la BOM, donc le prix des composants, et on les vend en supplémentaire. Alors il paraît que le MacBook Air là, qui vaut 79 € a été vendu à prix coûtant. Là c'est le lecteur du MacBook Air. Plus bas. Bon, je pense pas que ça vaille 79 € d'acheter, mettre un lecteur comme ça. Hein. Rodrigo, tu dis que ça va disparaître dans 2 ans ou 18 mois. Moi, je dis que ça va disparaître dans 3 ans. In fine, ça va disparaître chez Apple. Si on a ce niveau de détail dans l'espace infinitésimal de l'humanité... Allez, on enchaîne, messieurs. Quoi. Et finalement, ça correspondra avec la disparition du CD. C'est bien ce que j'ai toujours dit. Oui, on est raccord. Question de Ced 619. L'abonnement de musique streaming a-t-elle des défauts selon vous? Les utilisateurs, pas forcément vous, Yves, notamment sur le retard dans la sortie des titres, le catalogue ou les prix moindres ou les prix. Vous savez bien qu'il y a certains artistes qui ont dit on ne veut plus être sur Deezer parce qu'ils estimaient que les revenus n'étaient pas suffisants. Donc on a comme ça des catalogues qui refusent d'être ou sur Spotify. On a des catalogues comme ça qui refusent d'être en streaming. Et par exemple, on a un catalogue qui est un grand et prestigieux catalogue que notre ami amateur d'opéra connaît sans doute et qui s'appelle Harmonia Mundi. Et ce catalogue Harmonia Mundi n'est sur aucune plateforme de streaming. sauf sur Qobuz, mais dans l'abonnement Qobuz Utilité. C'est par exemple un catalogue que demain on pourrait retrouver sur un abonnement si on faisait un abonnement classique, par exemple. Et alors, donc, vous avez une personne qui rentre dans le cadre, il faut lui dire de sortir. Par exemple, chez ECM, ECM a décidé récemment de complètement retirer son catalogue du streaming. Et c'est pour ça qu'il faut que les plateformes de streaming proposent de la segmentation, parce que de la sorte, les producteurs trouveront leur intérêt à être dans tel ou tel abonnement et peut-être pas dans tel ou tel autre. Allez, deux questions, mais c'est des questions à moi qu'on n'a pas eu le temps de poser tout à l'heure. Une première question que je voulais vous poser, Yves, concernant la carte musique pour les jeunes. Vous en avez pensé quoi? Est-ce que ça a vraiment dynamisé les ventes? C'était un projet phare. Oui. Alors vous savez, à la première réunion de la carte musique jeune, je vais me lâcher un peu là. À la première réunion de la carte musique, moi j'en suis à 2,5 gigas, hein, donc il était temps. Allons-y. À la première réunion de la carte musique jeune, il y avait le génial Gilles Babinet qui était là et qui a expliqué que c'était complètement idiot de faire une carte, parce que je disais c'est quand même un problème, ils n'ont pas de quoi l'acheter cette carte, ils n'ont pas de compte bancaire, etc. Donc il faut que ce soit pas ma maman, mamie qui leur achète. Et donc faisons une carte et cette carte mettons-la dans les écoles, dans les bibliothèques, dans les clubs de foot, enfin peu importe. Et là on m'a dit mais c'est complètement débile celui-là, tout le monde sait que des clients sur Internet, on les trouve sur Internet. Donc un an et demi plus tard, on s'est mis à faire une carte carton. C'est une affaire qui a été, hélas, extrêmement mal gérée et en plus, je crois, trucidée par des gens à qui peut-être même le ministère avait pensé bon de demander conseil. Bah, moi, je l'ai utilisé, la carte jeune, en trucidant, je ne sais plus comment, j'ai acheté plein d'apps pour mon iPhone. C'était génial. Là, il fait très jeune comme ça à l'écran. Hein. Ouais, non, mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on pouvait utiliser la carte jeune pour faire d'autres achats, notamment sur iTunes, que de la musique, de la vidéo ou des applications. Que voilà. Sur iTunes, c'est là que c'est dégueulasse. Ouais. Yes, c'est dégueulasse. Alors, on parlera pas d'Adopi ce soir parce qu'on n'a pas le temps, mais juste une question par rapport à Mega Upload, Yves. Est-ce que vous, parce que c'est ce qu'on entend dire, que depuis la fermeture de Mega Upload, les sites de vente de musique ou de streaming ont vu leur audience augmenter. Est-ce que c'est le cas chez Qobuz? Nous, on a eu notre audience qui a beaucoup augmenté depuis la rentrée. Alors, je ne sais pas si c'est grâce à Mega Upload, j'ai tendance à penser que non. Je pense que c'est plutôt grâce au fait qu'il est devenu à peu près patent qu'une façon de consommer la musique était de l'acheter et éventuellement de s'abonner à un service. Je pense que c'est pour ça que mon audience a augmenté et aussi parce qu'on a un excellent SEO qui n'arrête pas de faire des progrès. La Adopi, pour montrer que son action avait été très efficace, a communiqué d'ailleurs là-dessus et a cité l'augmentation d'audience de Qobuz, ce qui m'a parfaitement ravi. Mais alors, en fait, la CIA, je crois que c'est vachement encore mieux qu'Adopi, quoi, j'ai l'impression. Oui, c'est vachement mieux. C'est plus efficace. Dernière question, les rigolotes de Zicospin. Est-ce que pour la 100e de Refait le Max, c'est dans 2 numéros et on vous réserve des surprises? Monsieur X avancera-t-il visage démasqué? Bah, il faudra être au rendez-vous. Voilà, messieurs, on passe au coup de cœur. Allez messieurs, les coups de cœur. Ce soir, on commence par Monsieur X. Alors, mes coups de cœur, j'en ai deux. D'abord, un petit coup de main pour quelqu'un qui s'appelle Sylvain Gamel. Son Twitter, c'est @sgamel et qui a sorti un livre sur, on va dire, une application souvent méconnue des utilisateurs de Mac qui s'appelle Automator. Et qui vous permet, comme son nom l'indique, de gérer des processus, de faire marcher des applications pour répéter des tâches en automatique sur votre Mac, que ce soit faire du courrier, des tâches d'impression. Ça peut être très très pratique quand on gère ce qu'on appelle un business avec son Mac. Donc le livre, il s'appelle Automatiser sous Mac. Vous le trouvez en numérique ou vous pouvez aussi le faire imprimer à la demande. Et c'est sur un site qui s'appelle Digit Books. Voilà, je ne l'ai pas lu, mais ça m'a l'air vraiment pas mal. Et puis, ça permettait de donner un coup de main aux gens qui farfouillent sous le capot de nos Macs et qui essayent de nous en donner le meilleur. Et puis, un coup de cœur avec un peu le sujet du jour. On parle de musique et de qualité. Pardon. Ouais. Et moi j'aime bien la qualité en musique classique en tous les cas, et voilà, il y a un endroit où je vais et où pour moi on écoute la meilleure qualité de musique possible, c'est la Salle Pleyel à Paris. Donc si vous êtes jamais payé un concert de musique classique à la Salle Pleyel, 2e rang, juste en dessous, allez-y, c'est moins cher qu'ailleurs. Et c'est le seul endroit dans ma vie où j'ai pleuré quasiment à chaque fois que j'y suis allé, et c'était pas fin. Donc la salle Pleyel, ça, c'est de la qualité musicale. Les Même enfants. Chez le dentiste. Oui, mais douleur là. Allez Rodrigo, enchaîne avec tes coups de cœur. Vous en voulez combien? Oh, vas-y, on prend le nez là, vas-y. Oh oui, un antivirus. Moi, juste pour dire que la salle Pleyel, la dernière fois que j'y suis allé, c'était l'an dernier. Je suis allé voir Joshua Redman, tu vois, saxophoniste brillantissime. Donc jazz, allez. Vous vous souvenez des réseaux sociaux que je vous ai fait sur le mobile récemment? C'était quoi le dernier? C'était pas loin de PASS, un truc comme ça. C'était PASS. Ouais. PASS, c'est comme Facebook, mais c'est limité à 150 personnes. Voilà, donc c'est vraiment ses amis, les vrais. C'est vraiment ses amis. Là, j'en ai un qui est encore mieux. Ouais. Il s'appelle Pair. C'est pour deux personnes. C'est n'importe quoi. Non, mais c'est vachement bien. Ouais. C'est un réseau social que vous faites avec... Bon, allez, votre conjoint en général, ouais. Mais sinon votre petite copine alors, et votre meilleur ami. Hein, c'est le SMS ou la messagerie instantanée, quoi. C'est plus que ça, parce que c'est un réseau social au même titre qu'un wall de Facebook. Ouais. Donc vous pouvez poster des photos, donc c'est comme des MMS, vous pouvez mettre des statuts updates, c'est comme des SMS, mais vous pouvez faire des petits dessins, vous pouvez machin, etc. C'est rigolo. Vous pouvez d'un seul bouton vous faire un petit coup de FaceTime, c'est-à-dire vous faire un petit call vidéo. Et puis ils ont des petites fonctionnalités rigolotes qui sont... le tout est protégé par mot de passe, donc au lieu de mettre des petits points comme sur l'iPhone, il y a des petits cœurs. Vous pouvez vous faire des petits bisous avec les pouces, ça s'appelle un thumb kiss. Donc vous faites, mettez le pouce sur l'écran, l'autre personne met un pouce sur l'écran et vous vous faites un bisou comme ça sur l'écran. Le POC de Facebook s'appelle plus un POC, mais un bouton raccourci qui dit juste « je pense à toi ». C'est un sextoy à distance, quoi. Voilà, et... Alors, le énorme inconvénient pour vous, messieurs, c'est que l'application n'accepte qu'un seul partenaire. Une fois que vous avez invité quelqu'un, ben vous êtes dans le baba, c'est fini, vous pouvez inviter plus personne d'autre. Mais on peut s'en séparer de cette personne quand même dans ce réseau Pair. Ah, ouais, mais c'est un petit peu comme l'iPad, quoi, c'est un seul user. D'accord. Ce serait quand même beaucoup mieux que ça passe en multi-user pour que ce soit un peu plus utile. Petite anecdote, hein. Attends, regarde, petite anecdote, voilà ce qui vient d'arriver, une application s'appelle le guide du pafé dragueur, hein. Donc voilà, moi je vais m'y mettre, parce que j'en ai vraiment besoin, croyez-moi. Et ça a l'air pas mal, je ne sais pas si c'est vendu ou c'est gratuit, autodérision en séquence. Il n'y a pas que... Voilà, c'est un art l'autodérision. Bon, la semaine dernière, vous avez vu, je vous ai montré les cours de bourse de manière extraordinaire. Ah ouais, c'était magnifique. Vous avez vu? Oui, j'ai rien compris, mais bah oui. Alors sur Twitter, on m'a dit que si je donnais le nom de cette appli aujourd'hui, en disant que c'était juste une question Twitter, du coup j'aurais le droit à un autre coup de cœur. Ouais. Donc ça s'appelle Stock Touch, ça vaut dans les 5 $. C'est vachement bien, Stock Touch, parce que ça vous présente toutes les actions des États-Unis par grande catégorie, donc industrie, tech, etc. Ça vous montre tout de suite si l'action monte ou descend en la mettant en vert, vert foncé, vert clair ou en rouge, rose pâle. Vous pouvez changer sur le côté très facilement en mettant sur la journée, sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, 5 ans, etc. Ça permet de suivre très très vite une action. Vous touchez, ça s'appelle Stock Touch, vous touchez, hop, vous rentrez dans l'application, etc. C'est très très joli. Bon allez, troisième coup de cœur. Allez, est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous avez des vieux Mac chez vous? Oui, j'en ai un là. Non mais des vieux quoi, des trucs qui tournent encore par exemple sur PowerPC. Ouais, on a ça à la rédaction, on en a plein. Ou est-ce que vous avez un Mac tout récent mais qui n'a pas de disque SSD et vous voulez le bidouiller pour mettre un disque SSD? Non, faut voir. Non. Faut voir. On enchaîne, Rodrigo. Eh ben, vous savez comment ouvrir votre vieux Mac ou votre nouveau Mac, quelles sont les touches, enfin les vis à enlever, dans quel ordre, comment on le fait, qu'est-ce qu'il faut défaire, qu'est-ce qu'il faut refaire. Ouais. Il y avait un site qui, et qui le fait toujours d'ailleurs, qui démonte intégralement tout nouveau truc qui sort de chez Apple. Intégralement. L'iPad sort et il le démonte tout de suite. MacFixit. Ça s'appelle iFixit. Eh ben, iFixit, ils ont fait des applis pour iPhone et pour iPad. Et donc tous les tutoriaux vidéo que vous aviez sur le site, maintenant vous pouvez les avoir sur vous. Et c'est quand même vachement plus pratique d'avoir sur votre iPad le iFixit pour le faire. Vachement mieux. Et je vous raconte tout ça parce que là, j'ai par terre 2 Macs qui ne marchent plus. Et donc, il faut que j'aille m'acheter des pièces sur macsales.com aux US. C'est vachement bien. Bien. Vous en donnez un dernier? Non. Si. Allez, vas-y. Bon. Vous avez déjà pris une vidéo avec votre iPhone? Oui. Jamais. Est-ce que vous avez l'impression d'être atteint de Parkinson à chaque fois que vous prenez une vidéo? Non, pas avec le 4S. Avec le 4S, il y a un stabilisateur, c'est très bien. Il y a un stabilisateur, mon coco. Il faut passer au 4S. Mais est-ce que vous pensez pas qu'un stabilisateur genre Steadicam, ce serait encore vachement mieux? Ah, ce serait la grande classe. Et vous pensez que ça peut être fait par un logiciel? J'espère. Mais ouais, c'est un logiciel qui transforme votre iPhone en Steadicam. Vous avez l'impression de faire les travelling de George Lucas. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle Luma. Luma Video Stabilization. C'est assez bluffant. Je vous conseille d'enlever ce truc-là. C'est vraiment très très chouette. Si vous faites de la vidéo sur... Et ils t'ont payé combien? Non, il va rien du tout, malheureusement, rien du tout. Bon. Il vaut combien le logiciel? Comme d'hab. 79 centimes, d'accord. Ou un truc comme ça. Julien, ton coup de cœur? J'ai un coup de cœur logiciel, vous en avez peut-être déjà parlé, mais j'adore ce truc, vraiment je l'adore, ça s'appelle Air Video. Indispensable. Qu'est-ce que Air Video? C'est un petit logiciel qu'on met sur son PC, où on a sauvegardé tous ses DVD avec les films de Walt Disney favoris des enfants. Et tout ça, grâce à Air Video qu'on met sur ses mobiles ou sur ses iPads, on branche Air Video, on ouvre l'ordinateur, on met le tout en partage et les enfants peuvent aller consulter tout ce qui est dans l'ordinateur à distance en Wi-Fi. Exemple, dans le train, vous créez un réseau Wi-Fi de pair à pair, c'est ultra geek, j'adore. On crée un réseau Wi-Fi, les téléphones ou iPad de la grand-mère, de l'épouse, etc. viennent s'y connecter et comme ça, les enfants peuvent tranquillement regarder leurs dessins animés pendant sans synchroniser son iPad. Sans synchroniser. Ou son iPhone. Exactement. Ou son iPod. Je vais tester bientôt dans un avion, voir si je me fais engueuler ou pas. Alors, tu peux étendre la geekerie à l'absolu en te disant que tu installes Airflick, AIRFLICK, et hop, tu balances depuis ton Mac tous tes trucs en MKV directement convertis au bon format sur ton Apple TV. Ah ouais, bah là, c'est bon, à la maison. Ah, pas mal. Vas-y, ferme la bouche, ferme la bouche. Ah, on va essayer de rentrer à la maison. Ils ont le mec, ils ont reverse engineeré, pour parler français, le protocole AirPlay. Je tiens à dire que Air Video permet la conversion à la volée et ça marche super bien. On y arrive, Yves, on y arrive doucement mais sûrement. Yves, vos coups de cœur ce soir? Moi j'ai deux doudous en ce moment. Oui. Mais le 1, je suis super désolé de ne pas l'avoir amené avec moi. Vraiment, ce soir. Que... C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai ces trucs-là sur les oreilles en plus. C'est mon nouveau casque. Un acte manqué. Mon nouveau casque, alors on disait tout à l'heure que pour écouter de la musique de bonne qualité et qu'elle sonne bien, il fallait un certain nombre de maillons. Et moi, mon casque, à moi, c'est le nouveau Focal. Je suis désolé, je suis un peu, comment dire, maniaque de cette marque, mais bon, j'assume, c'est pas grave. J'arrive. Hein. Qui coûte et qui présente vraiment, enfin qui est à un prix qui est génial, ça coûte 199 €. C'est d'une qualité absolument magnifique, ça s'appelle Spirit One. Et je trouve que vraiment, du point de vue, c'est une musicalité, à la fois la musicalité, sur tous les spectres intermédiaires. Et deuxièmement, as-tu là? Heureusement qu'on a du stock à écrire. C'est un appareil formidable. C'est vraiment une écoute extrêmement agréable. Et voilà, c'est vraiment un appareil que je recommande à tout le monde. C'est... Pour moi, ça a été le meilleur casque que j'en ai essayé 3 ou 4 depuis le début. C'est vraiment le meilleur casque que j'ai eu depuis que j'écoute de la musique depuis mes appareils portables. Oui, ça a déjà été un coup de cœur que j'ai fait il y a quelques semaines, mais effectivement, il est très équilibré. Il n'insiste pas trop sur les bases, comme c'est un peu la tendance des casques des jeunes aujourd'hui. Et qu'il n'est pas, j'ai plus le prix en tête, mais il n'est pas trop cher. Pour 199, il est joli en plus. C'est assez cher, mais par rapport à ce que, au prix de matériel Focal, le qualité-prix est vraiment super. Voilà. Et c'est français. Autre coup de cœur. Et l'autre coup de cœur, c'est mon autre doudou numérique. Ça n'a rien à voir avec la musique, mais c'est que comme j'étais au salon du livre et que je suis un gros lecteur, eh bien, finalement, j'ai craqué pour un petit Kindle de base qui vendait à 79 € au salon du livre. Et depuis que j'ai ce petit reader, je lis 3 fois plus. C'est vraiment, il faut l'avoir vécu, cette expérience de lire sur un reader. Entre numérique. Pour comprendre, voilà. Ça n'a rien à voir avec l'iPad. Sur l'iPad, c'est galère de lire, surtout des livres, de la littérature, etc. Ça, c'est formidable. Et je pense que ça ne fatigue pas les yeux. Ça va, quand il y aura vraiment d'autres soleil, etc., voilà, ça va vraiment faire un malheur. Et je pense que nos amis libraires ont vraiment, et nos amis de la littérature et du livre, ont sacrément... intérêt à trouver des solutions et être proactifs dans cette affaire parce que ça va leur tomber dessus, mais très 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 grave. On aura, j'espère, l'occasion de revenir sur Amazon, sur le Kindle, à l'occasion de la sortie du Kindle. Il faudra inviter Frédéric Becbédé à cette occasion-là, Olivier. Ouais, oui, mais écoute, il faut porter la contradiction. Je parle d'un écrivain. Oui. Non, on en parlera, pourquoi pas. On essaiera, s'il veut venir nous rejoindre, bien volontiers. Alors, mes coups de cœur. Après, es-tu un bon dragueur, le quiz, hein, l'application à 79 centimes que je vous ai présentée tout à l'heure, une autre application bien plus sérieuse. Et en plus, c'est quelque chose d'assez noble. Ça s'appelle SafeRider. C'est une application qui a été éditée par une association de protection et gestion durable du littoral. En clair, c'est une application qui vous propose de créer de rejoindre des réunions pour aller nettoyer les plages. On sait qu'on arrive bientôt dans une période estivale et c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire. Donc voilà, c'est une application bien pratique pour ça. Soit vous créez des groupes et les gens se joignent à vous et vous allez nettoyer telle ou telle zone du littoral, soit vous rejoignez des initiatives partout en France. Ça court aussi bien la Manche, l'Atlantique que la Méditerranée et c'est plutôt sympa parce que c'est l'école d'ingénieurs Ingésup qui a développé ça de manière purement gratuite pour cette association. Ça s'appelle SafeRider et mon dernier coup de cœur, c'est du matériel. Il y a un nouveau standard qui arrive à vitesse grand V et c'est le moins qu'on puisse dire sur le Mac. Ça s'appelle le Thunderbolt. Et voilà, les premiers disques durs arrivent. Après là, il y a quelques mois, voici la version un peu plus grand public. Ça s'appelle le Thunderbolt SSD Delgato. Vous voyez, c'est tout petit là. La prise, elle est là. Hein, c'est tout petit. Mais ça coûte encore extrêmement cher. Hein. Ça va plus vite qu'un disque interne. Hein. Ce que vous avez là. La capacité, comme c'est du SSD, c'est pas énorme. C'est du 120 ou 240 Go. Mais le ticket d'entrée est quand même très élevé. Près de 400 € pour la version 120 Go. 649 € pour la version 240 Go. Donc, il va falloir attendre encore un petit peu que les prix baissent. Et surtout que le standard Thunderbolt se popularise. Il est actuellement... essentiellement chez Apple, il devrait arriver notamment sous l'impulsion d'Intel. C'est certainement une annonce qui va être faite très prochainement, enfin du moins on l'espère, dans les prochaines générations de PC, ce qui contribuera à faire baisser le prix du Thunderbolt. Voilà messieurs, merci d'avoir participé à ce 98e épisode d'En Refait le Mac. Vous retrouvez Monsieur X sur Twitter @TrouMehistorix. Vous retrouvez Julien sur son Twitter également. C'est quoi ton pseudo, Julien? Pardon? Ton pseudo? TrouMehistorY. Non. Audara, voilà. Rodrigo, vous le retrouvez sur son blog, sur son podcast. Bah, il n'y a plus de podcast, maintenant c'est chez nous. Et tu sais quoi, Twitter, @Rodrigo, oui. Tu sais, j'ai une alternative pour les 1000 retweets pour Stéphanie Pellaprat. Ouais, parlons-en. Ouais, j'ai une alternative. Ouais. On est à un tout petit peu moins de 9300 followers sur le compte Rodrigo. Si on tape les 10 000, alors, je vous promets qu'elle vient, Stéphanie. Non. Il faut continuer de tweeter pour qu'elle soit là. Donc, voilà. Vous continuez à vous abonner. Je vous promets que Stéphanie va revenir. Rodrigo, je compte sur elle. Je sais qu'elle va nous regarder. Et on l'embrasse bien fort. Olivier, à 10 000, elle vient, c'est sûr. Ouais, on va publier un hashtag ce week-end au moment où la musique, oh là là, où ce podcast sera diffusé, ce sera Stéphanie revient, ! Voilà. Et merci d'avoir participé à ce numéro, d'avoir rejoint cette joyeuse bande un peu désordonnée par moment, comme tu as pu le voir, mais on essaiera de rattraper ça au montage. Bonne chance pour Cobuzz, c'est une belle aventure et en plus elle est française, on apprécie. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt. C'est super gentil, merci beaucoup. À bientôt. Voilà, et à la semaine prochaine à vous tous. Et on se retrouve très bientôt pour un numéro 100 spécial. On vous en dira plus la semaine prochaine. Bonsoir.